now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. हरियाली तू सर्दियों में गालों पे जो आती है गुलाली तू रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू कहीं आग जैसे जलती है बने बरखा का पानी कहीं कभी मान जाना चुपके से यूं ही अपनी चलानी कहीं जैसी तो है वैसी रहना जग घूमिया तारे जैसा ना कोई जग घूमिया तारे जैसा ना कोई जग घूमिया तारे जैसा ना कोई जग घूमिया तारे जैसा ना वो अखियां रूहानी कहीं ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं दिल वाली बात भी ना वो सजनी जवानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमिया थारे जैसा ना कोई जग घूमिया थारे जैसा ना कोई जग घूमिया थारे जैसा ना कोई जग घूमिया Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au MGI et nous venons à la rencontre de Neha Diapul. Neha Diapul est une chanteuse et aussi une enseignante de vocal au MGI. Bonjour Neha. Bonjour et bonjour à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Neha, dis-nous la musique qui représente pour vous. La musique est un aspect bien important dans mon vie. Au fait, la musique vocale est partie de mon identité parce que toute personne qui connaît moi, j'ai associé moi avec la musique d'abord. Et la musique est quelque chose de bien sacré pour moi parce que c'est un don de Dieu et nous avons un certain respect envers la musique. Et la musique, c'est quelque chose qui aide moi pour exprimer moi-même. Et la musique apporte beaucoup de partage et l'amour. Et presque tous les gens qui ont associé tout avec la musique dans n'importe qui. Façon, n'importe qui genre de musique, parce que la musique c'est un universal language. Et qu'est-ce que vous pouvez venir dans ce monde de musique-là? Raconte-nous un peu votre parcours. Au fait, mon parcours de la musique a commencé depuis l'enfance parce que moi j'appartenais à une famille qui est bien musicale. Au fait, mon papa, mon tcha-tcha, mon frère, mon ben cousin, cousine, mon ben prof de musique et danse, il y a violon, tabla, vocal. Et surtout mon papa qui était un ex-lecteur de tabla au MJ, qui était mon role model, Azif. Et il m'a bien inspiré à moi, tout le temps, il encourage moi pour aller de l'avant, pour prendre la musique comme carrière. Thank you.
faire au fait côté vocal? Au fait, mon formal training dans la musique commençait à l'âge de 11 ans. Ça veut dire quand je suis en grade 7, forme 1, mais je suis MGSS MOCA. Alors, après aller à l'école, je peux venir prendre un certificat de course ici. Alors, je fais 3 ans de certificat de course, 2 ans de certificat de course. Après, je fais 3 ans de diplôme, et puis 2 ans BA, et 2 ans MA, ça l'année là, je peux terminer. Alors, en tout, il fait moins 12 ans qui m'ont pu apprendre vocal hindoustan et musique, plus spécifiquement. Qui fait un choix de vocal, qui fait pas un instrument de musique? Au fait, moi, je commence avec la danse, quand j'ai 6 ans, 7 ans. Moi, je peux suivre children course ici au MJMM. Alors, moi, je peux faire Bharatanatyam. Moi, je peux commencer. Moi, je peux danser avec mon chachi, avec ma cousine. Mon chachi, Madame Rika Diapol, qui est un prof de danse ici au MJMM. Mais là, après, vu qu'il m'a un dévot du mouvement ISKCON, International Society for Krishna Consciousness. Alors, je peux chanter depuis tout petit dans mon temple, mandir. Alors, mon pensée, c'est surtout ça qui me pousse moi pour aller plus faire chant. D'un groupe musical? Pas vraiment, mais n'importe quoi, j'ai eu l'occasion pour performer, comme j'ai eu beaucoup l'occasion pour performer pour MJMM, ou faire beaucoup de programmes ici, ou bien si j'ai eu un programme en dehors, moi, à le faire. Adhipita Artha Siddhyartham.
quel style de musique vraiment vous chantez? Alors, moi, je fais mon training dans la musique indienne classique. Alors, je suis bien content classique, ok. Mais seulement en même temps, je fais un petit peu Bollywood et je suis content Western music aussi. Et vu que je suis dans l'école, mes élèves, vous êtes bien content, santé Western, coréen, Sega. Alors, pour moi, le langage n'est pas une barrière. Ça veut dire, moi, écoute toute la musique qui est pleasing to me, I listen to it. It's music for me. Because là, surtout because vocal, c'est un performing art. Alors, vous avez perform, alors vous avez développé ou talent pour chanter, premier d'abord. Après, comme un artiste, c'est quelque chose que mon papa tout le temps montré moi, qui est comme un artiste, vous avez développé humilité, parce que comme un artiste, vous n'êtes pas reconnu que par là, mais surtout par où, caractère aussi, et ça reflétait. Quand on peut performer, quand on peut chanter, c'est une personnalité qui peut refléter dedans. Alors, ou bien on a une professional qualifications, plus ou bien on a un caractère bien humble tout le temps. Thank you.
chaque artiste, à travers ce travail, il remontre un aspect de sa personnalité, sa identité. À travers la musique, quel aspect de la personnalité remontrez-vous? Moi, plutôt, comme on fait la musique, moi, je suis plus contente sa partie du partage. Et la musique, elle m'exprime plusieurs émotions. Alors, moi, je suis contente sa partie, comment dire, l'amour qui me cachait, même qu'être comme un prof. Alors, ça, l'entente qui m'a avec mes bons élèves, sa sharing qui m'a, c'est un moment extraordinaire qui m'a merveilleux, qui m'a vivé tous les jours. Comme un artiste. Mais sinon, on les a participé dans quel concours? Oui, c'est surtout grâce à l'MBCMM qui m'a donné l'occasion de performer en 2000. J'ai participé dans un concours de chant, MBC Star, dans la catégorie Hindustani. J'ai remporté le 3e prix. Et en 2012, j'ai participé dans MBC Star toujours, catégorie Razel, où j'ai remporté le 1er prix. Et puis, j'ai eu l'occasion de performer aussi. Une petite performance pour télévision pour MBC. En 2012, je suis participé plutôt dans un show qui s'appelle Kalpana Show. Je suis fait une reprise du chant Bollywood Hamdidi Chikesanam. Et puis, il y a un Diwali Show, tout ça qui m'a participé à MBC. Et ça aide-moi pour épanouir beaucoup comme un artiste.
fait ici au MJI, chaque fin, comme on finit mon BA ou bien mon diplôme, ou finit mon master, nous supposons faire un practical exam, comme une performance même. Alors, à chaque fois qu'il comme fini une performance pour mon examen même, comme on retrouve mon bon parent et mon bon prof qui file bien fier de moi, c'est pour moi c'est bon best performing moments qui m'ont vécu. Ouais. Et vous êtes un prof de vocal. Qu'en espérez-vous faire pour devenir prof? Comment me dire, c'est toujours le partage même pour la musique. Et comment me dire, dans ma famille, la plupart sont profs même. Alors, tout le temps, je dis à mon papa comment il est dédié dans ce travail, tout le temps. L'ITPA a beaucoup envers les élèves pour les capables de partager ce sujet. Alors, je pense même plus inspiré avec mon famille même. Mm-hmm. Ouais. Il y a une matière qui est assez différente de manière du sujet. Donc, quelles sont les difficultés ou les challenges que vous rencontrez pour enseigner la musique? Ok. Alors, il y a un fait qui, beaucoup de nos élèves donnent plus l'importance à l'academic subject, qui la musique et danse. Alors, beaucoup des fois, ben les élèves n'ont pas donné assez le temps pour pratiquer là. Et la musique, c'est quelque chose qui demande beaucoup de discipline et bien difficile à maîtriser. Alors, c'est surtout ça qui est un problème, qui ben les élèves n'ont pas assez le temps, vous n'ont pas dédié assez le temps pour la musique. Alors, mais toujours, nous, comme un prof, nous sommes là, nous sommes motivés tout le temps, nous essayons de faire avec eux. Et surtout, nous comme un prof, nous avons un rôle modèle, nous devons motiver les autres plus, nous devons inspirer les autres dans la classe. Nous devons faire les autres enjoy le sujet. Alors, je pense que c'est pour prendre les plus à cœur pour être fait. Difficile à maîtriser comme moi peut dire où. Alors il prend beaucoup de temps pour mon cave maîtrise mon sujet là même une fini mais c'est maintenant qui m'a dit mon l'impression bien comprendre la musique un petit peu même une fini mon master. Alors il y a quelque chose qui tout le temps me bizarre tout le temps me n'a pas apprendre. Alors dans mon parcours comme un artiste, une des bonnes difficultés que me dit gagner, c'est surtout qui
À chaque fois qu'il me tue mon sur scène, je connais mon pas prêt, mon pas type prêt, mais mon type a beaucoup de critiques. Et mais seulement, c'est sa bonne critique là qui aide moi beaucoup pour me faire améliorer moi-même, as an artist, et moi, je ne pas prendre d'une mauvaise façon. I take it as constructive criticism, et mon build moi-même d'après ça. C'est une des bonnes difficultés que m'a dit une fois, il décourage nous comme un artiste, mais c'est moi, tous les temps, mon essai prend les positivement. Jesus, the Lord, I see.
nature, me dit tout le temps quelqu'un de bien timide et mon pas voice out as such. Et la musique aide moi pour exprimer moi-même plus. Et comme on fait beaucoup de programmes pour monter à la scène, ça aide moi pour avec mon stage fright, tout ça, pour me sentir plus confident pour performer. Alors, il m'a build up a stronger personality as an artist. Et un message où tu peux donner à un jeune qui n'a pas hésité pour faire cette passion ou notre métier et continuer dans sa filière à la musique là? Oui, alors, j'ai besoin de dire qu'à Maurice, nous avons beaucoup, beaucoup de talent. Talent pas manqué à Maurice. Mais ce qui m'a beaucoup dit à un jeune, si je peux envie, si la musique c'est votre passion et si vous avez un talent, vous êtes à chaque fois, je dis à les élèves que la musique n'est pas quelque chose qui tout le monde gagne. Et si je gagne, c'est God gifted. Alors, je ne pas laisser comme ça. Vous êtes besoin de foncer, aller de l'avant. Et ça va plaire pour autant, vous êtes besoin d'apprendre. Vous êtes besoin de train pour que vous formez une bonne base. Pour qu'après, vous puissiez faire vos propres affaires. Vous puissiez créer vos propres affaires. Vous puissiez mettre sur YouTube. Vous puissiez faire vos propres channels. Vous puissiez foncer. Moi, pensez les jeunes à Maurice. Beaucoup de fois, je ne pas réussir. Ça pousse là pour vous aller de l'avant. Pour montrer vos talents à such. Alors, oui, moi, vous dites à jeunes. Si vous faites votre passion, vous êtes une carrière. Vous êtes une carrière pour quelque chose qui, tous les temps, vous pouvez enjoy. Ni pour n'éplirer son job, ni pour quelque chose de point de joie. Jani ke si bandhi tuni akhiyon ki door man mera khicha chala aaya teri oor mere chehre ki subah zulfon ki shaam mera sab kuch hai piya ab se teri naam नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हसी आफरी 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 Tana di 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 di